Les 5 nominations pour le meilleur jeune espoir féminin sont Clotilde Courau dans Le Petit Criminel. Je comprends pas, monsieur Guénon. Florence Darel dans Uranus. Invoquer l'horreur et trouver la beauté. Judith Godrèche dans La Désenchantée. Ne pas desserrer les dents et avoir les yeux d'outre-tombe, des raisons de partir. Judith Henry dans La Discrète. Isabelle Nanty dans Tati Daniel. Et pour ouvrir l'enveloppe, Vanessa Paradis. César 1990, meilleur espoir féminin pour Noce Blanche, côté chanson, un album signé Serge Gainsbourg. Bonsoir. J'ai encore plus chaud que vous. Je vous imagine, vous savez, je l'ai vécu ce truc. Le César est attribué à Judith Godrèche dans... Mais... Pardon. Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi. Des choses qui arrivent. Alors, Judith Henry, c'est le théâtre, la télévision, et vous avez pu la voir dans le film de Jean-Louis Huber, Après la guerre. C'est terrible parce qu'on, quand on arrive ici, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On regarde les gens, on se demande si on va sentir un regard approbateur qui va nous dire si c'est bon ou pas. Et puis, voilà quoi. On... Ce coup-ci, on sent, en tout cas, les espoirs. On ne sait pas du tout si on va avoir le César ou pas. Et enfin, donc j'ai rien préparé à vous dire, sinon je suis très contente de l'avoir, que je croyais, c'est débile de dire ça, mais je croyais pas du tout que je l'aurais, et merci à tout le monde, tous les gens qui ont voté pour le film, à Christian Vincent, à Alain Roca, à tous les gens qui font partie de, du métier, qui font partie de ma vie aussi, voilà, merci.